Oh.
We'll be right back.
Salut à tous, c'est Rafi857. Donc après ce magnifique making of, donc de vous l'aurez reconnu, de la Dreamcast, je vous en fais donc une review. Donc de ce que j'ai pu apporter donc à la console donc en modification. Donc déjà premièrement, ça sera la dernière fois que je ferai une Dreamcast, enfin que je modderai une Dreamcast, hein, parce que je crois que je suis arrivé au bout de ce qu'elle peut apporter, voilà. Donc c'est celle-ci, mais voilà, je vais juste vous faire voir celle-ci, parce que je voulais vous faire voir une autre que j'avais fait, mais bon, vous la connaissez par cœur à force. Donc, ce que je lui ai apporté. Alors, pour le moment, on va passer à l'arrière. De toute façon, dans le making-of, hein, vous avez bien vu hein, que j'avais mis donc un VGA, voilà, donc une sortie VGA, avec carrément la petite inscription au-dessus, je sais pas si vous voyez. Franchement, c'est la plus belle console que j'ai pu faire pour l'instant, la plus belle Dreamcast au moins. Voilà, donc une sortie VGA, le switch donc pour choisir entre VGA et RGB. Là malheureusement les étiquettes je les ai mises à l'envers, mais c'est pas grave, là c'est VGA et là c'est RGB. Et donc la sortie audio vidéo ici, voilà. D'ailleurs que je vais revisser un tout petit peu. Voilà, en espérant que ça aura pas influé sur quelque chose. Donc voilà pour ce qui est donc de l'arrière, hein, toujours aussi sobre et classe. Et grande nouveauté donc sur cette Dreamcast, je lui ai rajouté un port SD. Voilà, donc port SD avec donc son voyant pour dire si elle fonctionne ou pas, enfin voilà. Alors le voyant, pour la petite anecdote, c'est la LED que j'ai récupérée d'une vieille NES qui fonctionnait plus donc son réflecteur, on va dire, hein. Donc le petit carré rouge quoi, hein, que l'on voit sur une NES, et eh bien je l'ai rajouté donc sur la Dreamcast. Voilà, donc on appelle ça faire du recyclage, et c'est tant mieux. Voilà, donc là je vais vous donc faire voir une petite démonstration du fonctionnement de la carte SD, et en même temps je vais vous faire voir autre chose. Donc c'est parti, alors on va dézoomer tout ça, et je vais vous mettre ça sur l'écran, voilà. Hip, donc je branche la console. Voilà. Là, il n'y a pas eu de son, mais c'est bizarre. J'espère que j'ai rien cassé à l'intérieur. Donc, pour faire fonctionner le port SD donc, que j'ai rajouté à la console, eh bien, il faut un logiciel qui s'appelle DreamShell. Alors, DreamShell, c'est un mec qui s'appelle SWAT, qui est russe, qui a donc développé donc, ce shell. On va dire un système d'exploitation alternatif à la console Dreamcast, donc pour faire fonctionner plusieurs petites choses. Donc, alors attendez, on va se rapprocher de l'écran. Alors, je sais pas si vous voyez, mais en haut à gauche, il y a écrit Région change. Alors, c'est pareil, en faisant, donc, d'ailleurs je vous l'ai fait voir hein, dans le making of, donc en faisant un petit pont d'une résistance à l'alimentation 12 volts sur la carte mère, eh bien nous pouvons changer de région la console. On va y aller tout de suite pour vous faire voir ce qu'il en est. Donc en clair, de passer une Dreamcast européenne, console que j'ai, à une Dreamcast donc japonaise ou américaine. Voilà, comme ça au moins, si vous avez des jeux GD-ROM officiels que vous voulez passer donc sur votre Dreamcast européenne, vous ne pouvez pas, évidemment, à les zoner. Et donc, en passant par ce petit utilitaire, eh bien, on peut changer sa version. Donc là, par exemple, je vais mettre en Japon,
Broadcast, on va mettre en NTSC pendant qu'on y est. Et puis langage, on va dire en français. Ensuite, je fais write. Voilà, ça dure 2 secondes. Et là, on reboot et vous allez voir. Et voilà, on a une Dreamcast version rouge. Voilà, et ça, c'est vraiment génial. Donc, pour tout ce qui est... pour tout ce qui est donc import japonais ou américain d'ailleurs. Alors ce qui est génial, c'est que l'utilitaire lui fonctionne toujours. Ça c'est parfait, puisque lui c'est un CD donc autoboot homebrew, donc ça passe sur n'importe quelle version du BIOS de la Dreamcast. Voilà. Donc ça c'était pour donc le région change. On va rester en japonais tant qu'à faire. Et après c'est pareil, on peut revenir en européen tranquillement. Alors donc isoloader. Alors isoloader, c'est donc pour faire fonctionner les ISO qui se trouvent sur votre carte SD. Alors je vous montrerai un peu plus tard, peut-être même à la suite, je sais pas, ça va faire un peu long, mais un peu plus tard je vous montrerai un tuto comment convertir vos ISO par exemple au format .cdi au format ISO bootable avec SD Loader. Donc, on va dans la carte SD, voilà, ISO, et là j'en ai quelques-uns. Donc, l'émulateur SNES, Chuchu Rocket et Crazy Taxi 2. Alors, tous les jeux ne passent pas, par exemple Crazy Taxi 2, il ne passe pas, on va réessayer, mais normalement il passe pas. Voilà, il fait executing, mais après ça marche plus. Donc, c'est bien dommage. Donc, petite coupure et on revient. Donc, nous revoici donc sur le bureau de Dream Shell. Alors, je pense que c'est un shell qui fonctionne sous Linux. Hein. Je sais pas, mais je pense. Et donc, alors, console, tout ça. Donc, région changeur, je vous ai fait voir. DSN, ça se dote pour le réseau. Isoloader, donc, je vous ai fait voir. Et Film Manager, donc, en clair, on peut aller visiter tout ce qu'il y a sur notre carte SD, même sur le disque, sur les VMU, les copier, les coller. Enfin, voilà, c'est vraiment sympathique. C'est un peu l'explorateur Windows, quoi. Donc, on va retourner sur Isoloader. Donc, on entend que la console travaille, hein, pour aller sur l'Isoloader, normal. Donc là, en fait, c'est la version complète hein, de Dream Shell, mais il existe aussi des Dream Shell spéciales cartes SD qui sont beaucoup plus rapides à s'exécuter au démarrage. Voilà, donc là, SD, voilà, ISO. Et là, par exemple, je vais mettre Chuchu Rocket. Là, on fait A pour valider. Voilà, normalement ça devrait fonctionner. Ah, voilà, c'est bon. J'ai eu peur. Et voilà, donc là j'ai Chuchu Rocket donc sur ma carte SD. Et on peut vérifier par la même occasion, alors, que le témoin lumineux, alors, tout. Voilà, vous voyez. Le témoin lumineux, donc, s'est mis en route. Regardez, hein. J'ouvre la console. Et le jeu tourne toujours, quoi. Parce que le jeu est donc sur la carte SD. Voilà, c'est comme si c'était un disque dur, quoi. C'est la même chose. Voilà. Donc, j'espère que... Alors, là, il n'y a pas de musique sur la ROM que j'ai. Je sais pas pourquoi. Enfin, bon, c'est pas grave. D'ailleurs, ça m'a permis de déceler un petit problème de son que j'avais. Alors. Attendez. D'ailleurs, je vais essayer en même temps. Excellent sur la VM. Hop. Ok, ça marche. Hop. Et donc, on peut voir sur la VM que Chuchu Rocket est dessus. Voilà. Alors c'est un des premiers jeux qui est sorti je crois hein, sur la console. On va faire entrer. J'ai jamais rien compris à ce jeu. C'est un bordel monstrueux. Alors moi je veux que ça aille vers le bas. Alors vers la gauche. Putain, je comprends rien. Alors hop. Voilà. C'est bon, ça rentre. Tout rentre là. C'est bon là.
Toutes mes bleus arrivent. Nickel, 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 nickel. Excellent. Ouais, je récupère pas mal là. Alors merde. Alors évidemment, faut contrer. Faut être hyper réactif. Enfin voilà. Là pour l'instant, je suis deuxième. Enfin voilà. Donc c'était donc Chouchou Rocket sur carte SD. Donc j'espère que cette petite vidéo, on s'entend plus. On va faire start parce que là on s'entend plus. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Peut-être que vous saviez pas qu'on pouvait rajouter un lecteur de carte SD sur sa console. Eh bien si, on peut. Et d'ailleurs, si vous voulez, si vous avez une Dreamcast chez vous et que vous voulez avoir un port SD, parce que vous savez, on va éteindre la console. Vous savez que la scène Dreamcast est toujours active. Hein. Il y a en ayant fait ce mode, j'ai vu qu'il y avait pas mal de sites qui sont encore très actifs sur la scène Dreamcast. Et franchement, il y a pas mal d'émulateurs et compagnie, et c'est vraiment super, quoi. Donc si vraiment ça vous dit, vous pouvez toujours m'envoyer la Dreamcast. Enfin, vous pouvez toujours m'envoyer votre Dreamcast et je vous la modifie selon vos souhaits. Voilà. Donc évidemment pour ça, vous m'envoyez un message personnel. Et de là, je vous répondrai et je vous enverrai mes coordonnées pour vous m'envoyer la console. Voilà, si ça vous intéresse. Pour le prix, on verra ça en privé. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis eh bien à la prochaine, bye bye.